Thank you. 1.5 minutes, Madame Beres. Madame Beres, 1 minute 30. Présidente, Monsieur le Commissaire, la Grèce a accompli des efforts extraordinaires en matière de réformes et de sérieux budgétaires afin de respecter l'ensemble de ses promesses vis-à-vis de l'Union européenne. Le bilan du gouvernement hellénique, plus d'un an après l'accord noué en août 2015, est d'autant plus remarquable que le pays se situe en première ligne dans la crise de l'accueil des réfugiés. Aucune raison ne peut être avancée pour empêcher le déblocage de la nouvelle tranche de près de 2,8 milliards d'euros prévue par le programme. Mais la dette grecque est insoutenable. Elle frôle les 180% du PIB en dépit de 3 plans successifs de soutien financier. C'est la raison pour laquelle, y compris le FMI le 23 septembre dernier, a plaidé en faveur d'un allègement de cette dette. Cet allègement relève de l'urgence. Il rendrait réaliste l'objectif d'un excédent budgétaire primaire de 3,5% du PIB en 2018 et permettrait surtout d'assurer le redressement durable de ce pays. Il ne peut pas y avoir 2 poids, 2 mesures au regard des calendriers politiques des uns et des autres. Et je ne comprends pas que certains puissent dire « c'est bien, la Grèce doit faire les réformes et nous verrons après nos propres élections si nous pouvons discuter de la dette ». Le Grexit a pu être empêché, mais au prix de tensions qui ont affaibli plus que renforcé l'esprit européen. C'est pourquoi je pense que ces discussions sans fin justifient en creux la nécessité d'une nouvelle gouvernance économique, dotée notamment d'un budget pour la zone euro. La prise de conscience autour de cet enjeu est d'autant plus cruciale que l'Europe traverse un moment de perturbation du fait du Brexit, qui nous oblige à clarifier nos objectifs et à préserver les intérêts stratégiques dans la négociation qui s'engage. Merci, madame. We have a blue card. Un carton bleu, cher collègue. Est-ce que vous l'acceptez, Madame Beres? Vous avez 30 secondes. Merci beaucoup. Winston Churchill disait que le socialisme, c'était le...